Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Tiens, tout à l'heure j'étais à Montmartre, donc comme on peut voir, eh bien j'ai vu donc du matériel fabriqué par Stéphane. Hein, donc là vous pouvez voir donc le lampadaire et puis les rambardes. Et puis ici donc vous avez l'entrée de métro de la station Lamarque-Caulaincourt, qui est l'une des plus jolies stations de métro de Paris. Donc le t-shirt, je ne porte que de la marque. Bon, ben, l'émission avait déjà commencé, comme on peut voir, eh bien, il y avait écrit Wildlife Expedition Guyane. Bon, et pourtant, Jean-Luc Reichmann était à la présentation. Le maître de midi, 58 000 euros, il est content, il est content. Au coup d'envoi, la première question, combien sont les drôles de dames qui travaillent pour Charlie? Donc, bien sûr, je vous le donne, Emile, elles étaient trois. Après, donc, vous aviez Gwenola, il n'y a pas un gâteau qui s'appelle comme ça, bon, je ne sais plus, voilà, qui était très mimi, alors, qui était venue avec sa belle famille. Alors, et puis, bon, bah, y avait la dame au milieu qui avait été chez le coiffeur spécialement pour passer à la télévision. Alors, selon son mari, quelle est l'unique plat que Victoria Beckham mange depuis 25 ans qu'il la connaît? Eh bien, c'était du poisson et des légumes à vapeur. Et ça, Gwendola le savait. Bravo à Gwendola. Après, vous aviez Simon de Paris, qui était venu avec ses proches. Voilà, c'était Pierre de tes proches. Alors, selon la science, quel est le meilleur jour pour prendre un congé? Eh bien, c'était le mercredi. Bon. Ensuite, vous aviez sauvé Willy. Alors ça, je me suis dit, est-ce que Jean-Luc Reichmann va la faire? Bon, et ben on va voir. Donc, comment s'appelait le premier groupe de Jean-Louis Aubert? Eh bien, c'était Masturbation. Masturbation, donc, le t-shirt du lama. C'est de la masturbation. Il était venu avec ses filles et puis sa femme. Alors, donc ça c'est fait. Dans quelle œuvre du 19e siècle croise-t-on le personnage de Julien Sorel? Donc ça c'était pour le maître de midi, c'était bien sûr Le Rouge et le Noir. Comment s'appelle le personnage préféré des enfants dans le roman de Colas Gutmann? Eh bien, c'était Chien pourri. Ensuite, pour Simon, plus de 20 ans après sa sortie, quel film est visible en Chine depuis cette année, mais avec une fin censurée, pardon, eh bien, c'était Fight Club. Donc, sur cette question, eh bien, Simon est passé au rouge. Qui dit rouge? Dit duel. Il a pris Gwendola en duel, qui est tombé sur une question qui n'était pas évidente. Dès son arrivée au pouvoir, quel dirigeant provoqua dans son pays un vaste trafic d'alcool de contrebande en faisant adopter des lois nationales de prohibition? Donc elle est partie directement sur Theodore Roosevelt, sauf que c'était un piège, c'était bien Mikhail Gorbatchev. Alors ça, je m'en rappelle d'un truc, c'est que à l'époque, donc comme il y avait une certaine prohibition en Russie, eh bien les Russes fabriquaient eux-mêmes leur vodka et il y a eu beaucoup de morts puisque bon, eh bien ils mettaient un peu du n'importe quoi donc dans la vodka. Donc comme on peut voir, eh bien Gwenola a été donc éliminée. Donc Simon, Stéphane et Willy se sont retrouvés en coup par coup. Quand on a faim, on a soif. On peut avoir, donc la mauvaise réponse était un bœuf sur la langue, c'est vrai que c'était pas évident. Ensuite pour Willy, quel chanteur est connu pour avoir porté la barbe? La mauvaise réponse, eh bien c'était tout simplement, c'était Paul Simon, hein, donc c'était assez facile. Ensuite, quelle sauce se sert traditionnellement froide? Eh bien, c'est assez étonnant parce que la mauvaise réponse, eh bien c'était la sauce béarnaise. Moi je sais pas, j'ai toujours bouffé froide, mais bon. Donc voilà, donc sur cette question, eh bien c'est le maître de midi qui est passé à l'orange. Ensuite, qui a les initiales CM comme les 12 coups de midi? Eh bien la mauvaise réponse, c'était le champion du monde de 98, ouais, puisque Claude Makélélé n'était pas champion du monde en 98. Donc sur cette question, eh bien Simon est passé au rouge. Ah non, pas du tout, il y a une autre question, pardon. C'était dans quel film Eric et Ramzy jouent-ils? Eh bien la mauvaise réponse, c'était 4 étoiles. Donc voilà. Et là, c'est Willy qui est passé au rouge, qui dit rouge, dit duel. Il a pris donc Simon en duel, qui a eu une question, bon, de bébé, hein,
Dans quel pays peut-on visiter Melbourne, Canberra et Sydney? Donc, bien sûr, c'était en Australie. Donc, c'était une question facile. Donc, ensuite, eh bien, Simon, qui était un peu flashé face à Stéphane, se retrouvait en coup fatal. Et là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé la pupube. Alors, après. Allez, retour de pupube. Et puis, première question. Dans la BD de Peyo, quel est le prénom de Brisefer? Donc, le maître de midi le savait que c'était Benoît. Pour Simon, quel est le prénom du grand couturier Cerutti, récemment disparu à 91 ans? C'était Nino Cerutti, mais ça, il ne le connaissait pas. Quel est le métier de Sarah Lescot, la fille aînée du commissaire Julie Lescot? Je crois qu'ils ont dit qu'elle était avocate. Quel est le prénom de l'animateur de la méthode Coé? Donc il a dit Coé, donc c'était juste Sébastien Coé. Donc c'était Sébastien. Ensuite, quand on se promène, combien de L prend le mot balade? Donc là, c'est rigolo parce que je ne sais pas si les questions, on peut les voir sur un écran, parce que bon, bah, là, donc la réponse était dans la question, hein, c'était un seul. Ensuite, quel frère de John Fitzgerald Kennedy a aussi été assassiné? Donc c'était Robert ou Bobby. Combien de dents au minimum une fourche? Simon a dit 3, c'était 2. Pas de bol. De quel département Nevers est-il la préfecture? C'était la Nièvre, ça il le savait. Selon une chanson de Gainsbourg, qui est un fumeur de Havane? Donc c'était Serge Gainsbourg. Pardon, Dieu. Donc ça c'était une question facile. Quelle figure d'un jeu de tarot ne retrouve-t-on pas dans un jeu de cartes classique? Et ça, Simon le savait, c'était le cavalier. Donc il faut savoir jouer au tarot. Qui est le réalisateur des aventures de Rabbi Jacob? Donc Sébastien n'a pas su, mais pourtant c'était facile. C'était Uri. Voilà. Après, qui attend Ulysse en tissant sa toile? Bien sûr, c'était Pénélope. C'est très mignon comme prénom, Pénélope. Une copine dont sa fille s'appelle Pénélope, je trouve ça très mignon. Ensuite, dans quel lieu se déroule la dernière scène de Cyrano de Bergerac? Il paraît que c'est une salle, donc je ne sais pas ce que c'était. Quelle émission a rendu célèbre Aziz, Laure et Stevie? Donc là, Simon ne savait pas, donc c'est vrai que ce n'était pas une question qui était évidente. Hein. Je crois que c'était le Loft, un truc dans ce style-là. Ensuite, en Australie, de quel marsupial le wallaby est-il un modèle réduit? Donc c'était le kangourou. Quel mot de synonyme de despote est le titre d'un film de Charlie Chaplin ou Charlie Chaplin, sorti en 1945? Donc ça, c'était une question facile pour le maître de midi. C'était le dictateur. Quel prénom portait le dernier empereur d'Allemagne? Donc je ne sais pas ce qu'il a dit comme prénom, donc c'était Guillaume tout simplement. Et puis à la fin, quel condiment est récolté par un paludier? Donc le paludisme. Donc voilà, donc sur cette question, eh bien, on a pu voir que Simon a été éliminé. On peut voir que le maître de midi, il lui restait presque 33 secondes. Et qu'est-ce qu'il avait? Il était content, il était content, il était content. Bon, allez, sinon on part directement sur le coup de maître. Quand deux amoureux s'échangent des mots tendres, on dit qu'ils roucoulent. Ah bon? Je sais pas, quand tu t'échanges des mots tendres, tu roucoules pas, je sais pas. Bon. Après, je sais pas, y a pas un mot comme ça, on dit le guillodou, là, je sais pas quoi, bon, passons. Après, quel chanteur nous demandait en 1975 de ne plus jamais l'appeler France? La France, elle m'a laissé tomber, donc bien sûr, c'était Michel Sardou, question de bébé. Quelle ville du Nord-Pas-de-Calais accueille chaque année la grande braderie qui attire 1 million de visiteurs? Et justement, ça fait longtemps qu'il n'y en a pas eu, je crois, mais cette année, je crois qu'il y en a une, c'était la braderie de Lille. Question de bébé encore. Qu'ont en commun le thé Earl Grey et le bonbon qui est une spécialité de Nancy? Donc c'était la bergamote, question facile. Et puis à la fin, quels singes proches des chimpanzés sont réputés pour leur mode de vie olé-olé? Bon, c'était une question facile. Donc là, c'était un cadeau de la maison. Comme on peut voir, bon ça je m'en fous hein, par rapport au coup de maître, mais comme on peut voir, donc le coup de maître, la production, ils font ce qu'ils veulent là-dessus. Ou en général, ils mettent des questions difficiles, c'est juste quand l'étoile va être trouvée. Bah, j'en parlerai juste après de l'étoile mystérieuse. Bon bah voilà, il est content, donc il a gagné 10 000. Alors quand il gagne 1 000, il saute pas de joie, mais quand il gagne 10 000, oui. Bon, bah, c'est vrai, contre 500 et 5 000. Donc, il a gagné 5 000 boules. Donc, bon, bah, voilà, comme j'ai dit, bon, c'est un ouvrier, il est content. Ça lui fait des sous-sous. Et puis, comme j'ai dit hier dans une de mes vidéos, ça se trouve, avec l'augmentation de l'électricité, etc.,
il va y avoir des chômages techniques dans les usines, donc bon, ben, on verra bien. Sinon, par rapport à l'étoile mystérieuse, bon, ben, ça bouge pas, vous avez toujours, comment dire, une table et puis le cactus. Alors, moi, j'aimerais bien savoir quand l'émission a été enregistrée, parce que je ne sais pas si c'est déjà le retour de Jean-Luc Reichmann de ses vacances, ça m'étonnerait, mais je sais que quand j'avais proposé l'étoile, j'avais dit Michel Pfeiffer. Donc je me demande s'il n'est pas venu copier ou si on lui a pas dit tout simplement. Donc voilà. Sinon, bon, ben, moi je vais rester sur Christine Bravo et puis sur Sheila, hein, comme on m'avait dit. J'ai reçu d'autres noms, donc j'en parlerai plus tard. Donc bon, ben, si vous voulez participer, donc trouver l'étoile et gagner un t-shirt, hein, vous envoyez un message. Alors bon, j'ai vu qu'il y avait encore des gens qui mettaient la réponse. Sous la vidéo. Sous la vidéo, ça compte pas. C'est-à-dire qu'il faut que vous laissiez un message. Ça me permet de voir à peu près à quelle date vous avez laissé le message. Parce que bon, pour pouvoir donner le t-shirt à la personne qui a donné vraiment le premier. Comme ça, je pourrais mettre comment dire, le message sans le nom, tout ça, etc. Mais juste par rapport à la date. Hein, et puis après, vous allez sur mon site, comment dire, chasseur d'étoiles. Et puis bon, bah, après, vous. Non, trop mignon, par contre, pardon. Et puis, bah, vous trouver un vous choisissez un t-shirt. Le t-shirt du jour, bah, c'est ce que je vous ai dit, hein, c'est je ne porte que de la marque, hein, par rapport à la marque Colincourt, donc sur le site remignon.com. Et puis bah, sinon, donc il semblerait. Alors, comme je vous ai dit, donc les émissions ont repris donc mardi. Donc il y a eu mardi, mercredi, jeudi. Ça veut dire qu'il y a eu 15 émissions qui ont été enregistrées. Donc l'étoile mystérieuse a été trouvée. Donc j'ai reçu un message d'une personne qui m'a dit que l'étoile avait été trouvée par Stéphane, donc il semblerait qu'il soit encore dans le jeu. J'avais reçu un message il y a quelques temps qui m'avait dit qu'il avait été éliminé. Il semblerait que non, donc bon, on va voir avec le temps, hein. Et donc il paraît qu'il a trouvé l'étoile mystérieuse. Par contre, quand j'ai demandé à la personne qui était dans l'étoile mystérieuse, elle m'a répondu, je viens souvent entendre dans le public, j'ai pas envie de perdre ma place, donc je vous le dirai pas. Donc bah, si vous voulez pas le dire, vous avez qu'à faire comme Sophie, c'est-à-dire que Sophie, la dernière fois, la personne qui a gagné le t-shirt, c'est une personne qui était dans le public qui lui a dit, et c'est Sophie qui a gagné le t-shirt. C'était un t-shirt de fée, hein, donc voilà. Sinon, bah, moi je vais vous souhaiter une très 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 bonne journée, et je vous dis à demain, portez-vous bien! Allez, bye bye!